해외 입양 동포 가운데는 이런저런 이유로 입양의 상처를 안고 살아가는 이들이 적지 않습니다. 이들에게 뿌리 찾기는 쉽지 않은 일이지만 마음을 치유해가는 과정이 되기도 하는데요. 전 세계 한인들의 다양한 삶을 소개하는 글로벌 코리안. 이번 시간엔 모국과의 연결고리를 통해 마음의 평화를 찾은 벨기에 입양 동포 사연입니다. 안녕하세요. 예선이에요. 벨기에 사람이에요. Voilà, c'est ma présentation. J'ai 49 ans et j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Juste marqué que je serai née le 13 janvier 1974 et je suis arrivée en août ou septembre 1974 à l'orphelinat, mais c'est marqué de parents inconnus. En fait, j'avais aucun dossier parce que la maison a brûlé aussi quand j'avais 11 ans. Et même avant cet âge-là, mes parents ne m'ont jamais montré mon dossier d'adoption. Mais elle était assez possessive. Donc je pense qu'effectivement, elle n'a rien dit non plus parce qu'elle me disait toujours « Oui, de toute façon, un jour, tu vas m'abandonner et tu repartiras en Corée. » Et moi, je disais « Mais non, je ne vais pas repartir en Corée. » Parce que voilà, je me sentais. Puis à l'âge de 11 ans, mes parents ont divorcé. Donc je n'ai plus du tout de contact avec mon père adoptif pendant plus de 15 ans. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes d'attachement parce que j'ai, oui, voilà, un second abandon de la part de mon père adoptif. Et ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à m'attacher aux personnes aussi, ça c'est vrai. En fait, c'est un jour, je suis allée à un gala organisé anciennement par un groupe d'adoptés. Et là, quand je me suis retrouvée au milieu d'autres adoptés, d'autres jaunes, je me suis sentie très bien. Et je ne m'attendais pas à me sentir bien avec d'autres parce que quand j'étais plus jeune, si je voyais des adoptés ou des Asiatiques, j'allais plutôt m'en écarter parce que je ne me sentais pas comme eux. Et ma fille, par contre, qui est eurasienne, elle revendique son côté coréen. Alors que je ne pense pas qu'au premier coup d'œil, on se dirait qu'elle est asiatique. Mais elle, voilà, elle se sent asiatique, elle revendique ce côté-là. Et quand elle avait 13 ans, ben, elle a vu les débuts du groupe BTS, groupe coréen. Donc écoutez, je crois que c'est grâce à elle où je me suis un peu plus aussi intéressée. J'ai commencé à écouter aussi BTS. Donc maintenant je connais d'autres groupes coréens. J'ai été avec elle cette année au concert de ETIS, qui était ici. Voilà, en Belgique. Et c'est vrai qu'une fois arrivée à l'aéroport, je me suis sentie bien. Voilà, il n'y avait pas de mots, je me sentais bien. Mais j'ai profité du voyage, j'ai fait comme tout le monde, le tourisme, j'ai mis le hanbok, j'ai visité les palais, on a fait les grandes villes, ben, Busan, Yeonju. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé, parce que c'est vrai qu'avant, ma maman était quand même très possessive, et il y a des choses que je pense que je n'osais pas faire, même que j'étais adulte. Et je pense ça aussi, c'est vrai de pouvoir l'accepter, de se dire que ben, j'ai une origine coréenne, c'est vrai que je n'ai pas la culture ni la mentalité, mais je l'accepte et maintenant j'en suis fière. Et c'est vrai que c'est une richesse, voilà, je n'ai pas de regrets. Ça, je l'ai fait ici à l'ambassade de Belgique, il y a déjà 4 ans, je pense. Et il n'y a rien, j'ai jamais eu de nouvelles. Ben, que je serais heureuse de les rencontrer et que ce ne serait pas du tout, je pense, dans le reproche. Voilà, je serais ouverte à savoir comment ça se fait que j'ai été adoptée. Avoir une vie de famille, ça aurait sans doute été beaucoup plus difficile, je pense, en Corée pour un enfant qui vient d'un orphelinat. Oui, je les remercierais d'avoir fait ce choix-là et s'ils m'ont déposé à l'orphelinat ou choisi de m'abandonner.